Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je sors de la douche, je suis en mode tête fatiguée ce matin. J'ai pas bien dormi, j'ai dormi que 5 heures, peut-être même moins. Franchement, voilà. Donc ça arrive, hein. Ça arrive pas qu'à moi, ça arrive à tout le monde, hein. Déjà, j'ai pas commencé que déjà je me plains. Je vous retrouve pour les menus de la semaine, il faut quand même le dire, hein. Et je les ai fait, en fait, j'avais pris de l'avance. J'avais fait mes menus de la semaine quand je suis partie chez Joël. Et puis dans la voiture, un peu comme ça et tout. Et en revenant, j'ai checké un petit peu ce qui me restait dans les placards. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo que j'ai postée dimanche où je vous montre un petit peu ce qui me reste dans les placards. Je fais pas de provisions, donc forcément j'ai que du roulement, j'ai un peu d'avance à chaque fois, un ou deux articles d'avance à chaque fois, mais je fais pas de grosses provisions parce que bon, comme je vous l'ai déjà dit, moi je trouve que c'est de l'argent qui dort et c'est dommage. Après, quand on est à la campagne, je peux comprendre quand on n'a pas de voiture, quand on habite à la campagne, quand on a des problèmes de santé aussi et qu'on peut pas se déplacer comme on veut, bien évidemment qu'il faut anticiper, il faut faire des provisions, et puis voilà. Mais bon, quand on est à côté comme moi, où j'ai la boucherie à peut-être 1 km aller-retour, j'ai tous les commerces de proximité, on va dire, ouais. Donc franchement, ça vaut pas le coup que je fasse des provisions. À quoi ça sert? J'ai tout sous la main. J'ai cette chance, donc voilà, ça sert à rien de stocker. Et puis, c'est de l'argent qui dort. C'est de la place aussi qu'on peut utiliser autrement. Donc voilà, bon, vous le savez, hein. Les stocks et moi, on n'est pas toujours d'accord. Donc allez, je vais quand même passer à l'essentiel de la vidéo, c'est-à-dire mes menus de la semaine. Donc comme je vous le dis, je pose les idées. Ensuite, avec moi, ça fait comme ça. J'affiche mes menus comme ça sur mon réfrigérateur. Et puis après, voilà, en fonction de ce que j'ai, de ce qu'on a envie de manger, de ce que je vais aussi acheter à côté, on modifie un petit peu nos menus. Mais globalement, une fois que j'ai fait ma liste de courses, je m'en tiens à ce que j'ai noté. Sauf promotion dans le magasin qui va remplacer une viande ou un truc comme ça. Mais en général, je me laisse pas tenter par d'autres choses dans la boutique et je vais vraiment à l'essentiel. Je suis ma liste de courses et puis je sors de la boutique. Comme ça, je sais que je dépasse pas. Donc voilà, allez, ce coup-ci, ben, je démarre. Donc, menu de la semaine, on y va. Alors, pour le menu 1, ça sera rillettes de dinde. Alors, la rillette de dinde, ça va me faire à chaque fois une entrée. Il m'en reste deux ramequins. Donc, à chaque fois, ça me fera une entrée, forcément. Pour le plat, ça sera un navarin de veau avec des pommes de terre. Et puis, yaourt de fromage pour le dessert. Pour le menu du soir, ça sera bricoton, salade composée et flammekueche. Parce que j'en ai acheté une. Et ça me tentait, elle est toute faite. Donc ça fera partie peut-être de ce repas du soir à la place des bricotons si j'ai la flemme de les faire. Du fromage blanc pour le dessert. Pour le menu 2, ça sera des carottes râpées, des haricots à la tomate parce que j'ai acheté des haricots. Et puis avec l'haricot, je mettrai un petit morceau de poitrine et puis de la saucisse de Toulouse. J'adore ça. En ce moment, on en mange pas mal des légumineuses. C'est dingue. Et puis, si ça se trouve, après, pendant 3 mois, je vais pas en manger. Bon, bref. Pour le soir, ça sera croque-monsieur, croque-madame et salade composée. Tout simple, facile à faire, très rapide. Et puis, voilà, pour le soir, ça suffit. Avec un yaourt. Pour le menu 3, ça sera des endives bretonnes. Avec du filet de Coulin au curry avec du riz. Pour le dessert, ce sera une crème caramel. Pour le soir, ce sera un taboulé avec du poulet frit. Et puis du fromage, un yaourt. Voilà. Donc pour le menu 4, ça sera concombre sauce yaourt. On adore ça. C'est une entrée qui fait mouche à chaque fois. Et puis pour le plat principal, ça sera des aiguillettes de canard sauce au miel. Ça fait un moment que j'ai envie de manger de l'aiguillette de canard. Je vais en acheter, ça c'est sûr, ça me tente bien. Et puis pommes de terre aux vapeurs. Donc voilà, tout simple, fruits, fromage.
pour le dessert. Pour le soir, ça sera un cordon bleu sur lit de salade et puis du flan. Alors le flan, je vais voir, j'ai mis flan parce que je voulais faire le flan pâtissier que je devais faire la semaine où je suis partie chez Joël et puis je ne l'ai pas fait, donc je l'ai reporté à cette semaine ou la semaine d'après. Donc du coup, j'ai mis flan pour cette semaine et la semaine d'après le flan pâtissier et peut-être que je le ferai cette semaine. La recette est sur la chaîne de chez Béa. Je pense que je vais la filmer, je ne sais pas. Bon, en tous les cas, je vous ferai les photos de mon dessert, quoi qu'il en soit. Pour le menu 5, ça sera des avocats crevettes. C'est une entrée que mes hommes adorent. Moi, je prends juste l'avocat puisque je n'aime pas les crevettes. Et un sauté de porc façon maringot, certainement avec des tagliatelles, ou, bon, des pâtes, quoi. Et puis pour le dessert, c'est pareil, j'ai mis île flottante. Parce que franchement, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé et j'ai envie, franchement, j'ai vraiment envie de m'en faire une ou deux petites là. Ça me tente bien. J'ai repris du poids d'ailleurs. Entre deux, vite fait, j'ai repris 500 grammes. Pourtant, je marche beaucoup. Bon, bref, ça n'a rien à voir. Ben, en même temps, je fais ma gourmandise. Pour le soir, ça sera une tartiflette avec de la salade et du fromage blanc. Ensuite, pour le menu 6, ça sera des œufs durs mayo en entrée. Et puis une bavette à l'échalote, alors avec des pommes de terre, soit des potatoes, soit des frites, soit une purée, mais ça sera des pommes de terre avec un fruit pour le dessert. Rien de bien compliqué, mais de temps en temps, une petite bavette comme ça, un petit steak, on aime bien. Pour le soir, ce sera des galettes de pommes de terre au poisson avec une salade composée et du fromage. Enfin, pour le menu 7, ça sera du céleri rémoulade. On adore cette entrée. Côte de porc et gratin de légumes. Gratin de légumes, alors ça peut, hein, les menus, comme je vous le dis, ça peut monter, ça peut descendre. Ça sera certainement des courgettes puisqu'il m'en reste. Et puis pour le dessert, ça sera un yaourt. Pour le soir, j'avais d'acheter de la levure de boulangerie. Je veux faire des pizzas parce que j'adore ça. J'ai du fromage qui commence un peu à tirer la gueule. Donc je vais faire une pizza au fromage et puis pizza à tomate anchois pour monsieur. Puisque c'est sa pizza préférée, quoi, sa garniture préférée. Donc, c'est ce que je ferai. Voilà pour le menu de la semaine prochaine, en sachant que je vais piocher à droite, à gauche. Je ne vais pas suivre à la lettre, hein. Donc, voilà. Pour la semaine d'après, ça sera là, le moment des asperges. Donc, on va commencer par les asperges sauce vinaigrette. En plus, j'adore ça. Je crois que je suis la seule. Je pense qu'ils n'aiment pas. Mais je ferai des œufs durs. Comme ça sera asperges ou œufs durs en entrée. Un sauté de porc aux champignons avec du vin blanc. Pour l'accompagnement, ça sera certainement des petites carottes, des petits légumes. Je vais passer ce qui me reste dans le congélateur ou mes flancs de légumes avec du riz. Voilà, ça sera vraiment quelque chose un peu dans ce type-là. Pour le soir, ce sera une poêlée de légumes, haricots verts, pommes de terre, oignons, voilà, un petit lardon et tout, avec une omelette, du fromage blanc. Pour le menu 2, ça sera une salade de betterave. Bon, voilà, hein, c'est la salade de betterave, franchement, on adore ça. Et puis, du poisson, filet de sole, sauce citron avec du riz. Une mousse au chocolat pour le dessert. Ben, bon, ça, c'est mes desserts favoris. Ça fait un moment qu'on n'en a pas mangé. Donc, voilà quoi. Hein. Pour le soir, ça sera une tatin d'endive au bleu d'Auvergne et jambon de pays avec une salade composée et un yaourt au dessert. Alors, c'est la recette de Valérie qui me l'a gentiment envoyée par email. Je lui ai demandé parce que, ben, tout simplement, j'en ai jamais fait. Je crois qu'elle m'avait mis ça dans un commentaire ou quelque chose comme ça, ou en live peut-être. Bon, bref. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est la période des endives. On adore ça. On les mange toujours un peu pareil, c'est-à-dire endives au jambon, braisées, et puis en salade avec des noix et du roquefort, voilà. Ou du thon. Donc je me suis dit c'est une recette supplémentaire. Si elle coule crème et que tout le monde aime, ben je la rajouterai carrément dans mes menus parce que je trouve que c'est un bon petit plat qui me tente bien de tester. Donc voilà, pour le menu 3, ça sera une salade de tomates avec de la feta. Alors, j'aime pas trop la mozzarella avec la tomate, c'est bizarre, je sais, mais la mozzarella, je l'aime
sur un gratin, sur la pizza et tout ça. Mais après, comme ça, je suis pas trop mozzarella. Je trouve que ça n'a pas trop de goût. Je préfère la feta. Donc, du coup, voilà. C'est tout. C'est un petit détail. Et puis, pour le plat principal, alors j'avais envie de manger des quenelles au poulet avec une sauce blanche aux champignons. C'est vol au vent, quoi. Et du fruit, un fromage pour le dessert. Pour le soir, crêpes sucrées salées. J'ai du jambon. Voilà, j'ai acheté une belle poêle pour faire des grandes crêpes. Donc, c'est l'occasion de faire tout en un et de faire en même temps le plat, le dessert, quoi. Donc, voilà, ça sera très simple pour ce repas-là. Pour le menu 5, ça sera une cassolette de fruits de mer. Je sais que mes hommes, ils vont bien aimer. Et des pâtes à la carbo avec une salade de fruits pour le dessert. Pour le soir, velouté d'asperges. Donc, c'est la période verte, d'asperges vertes. Alors, velouté d'asperges, je mets asperges, pommes de terre, du persil, pas mal d'ail. Et puis, de la crème fraîche, hein, rien de fou. Et puis, du fromage pour le dessert. Pour le menu 6, ça sera des carottes râpées en entrée et puis des paupiettes de veau au vin blanc. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'avais envie d'en manger. Et puis pour ce dessert, j'ai mis le flan pâtissier. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est le flan pâtissier de la chaîne chez Béa. Je l'ai mis un peu comme ça dans mon menu première ou deuxième semaine parce que je sais que je vais le faire. Et puis voilà, peut-être que je filmerai la recette. Pour le soir, ça sera des œufs à la tomate avec du chorizo. J'adore ça. Voilà, un peu de poivron. Et graines de couscous. Pour le dessert, ça sera du fromage blanc. Et en menu 7, ça sera une salade verte avec des toasts aux chèvres. Ça, c'est avec un peu de miel, c'est trop bon. Et puis pour le plat, ça sera pilon de poulet avec des petits pois. Et yaourt, c'est un repas très économique. Et franchement, on aime beaucoup. Pour le soir, ça sera des cannelloni avec du fromage blanc. D'ailleurs, il m'en reste fromage blanc et on va l'abîmer. Je vous montre un petit peu mes fiches de travail, c'est-à-dire, voilà, je les ai plastifiées. Comme ça, je peux plus facilement vous les présenter. Donc, de ce côté-là, en général, même, je les fais sur du papier libre, bien souvent. Mais bon, ça se présente comme ça. Je fais mes menus de la semaine, menu 1, menu 2, bon, midi et soir. Après, on note comme on veut. Et là, je me mets ma liste de courses pour chaque... pour ce qui me manque. Je check dans mes placards et à côté, je fais ma liste de courses. Mais ça, c'est celui que je ne vous présente jamais. Moi, je vous présente celui-ci qui est forcément rempli à chaque fois. Ça donne ça. Ça donne ça, hein, comme ça. Voilà. Donc, moi, je vous envoie toujours ce fichier-là. Mais bon, la base pour que je puisse travailler dessus, ben, c'est ça, en fait. Tout simplement, n'hésitez pas si vous souhaitez avoir cette fiche. Bon, je ne vais pas vous la plastifier, je vous l'envoie par email, hein. Mais n'hésitez pas si vous voulez une fiche vierge comme ça. N'hésitez pas à me la demander par email et je vous l'enverrai. Ensuite, j'ai ma petite fiche comme ça que je garde toujours avec moi dans mon lutin. De ce côté, c'est côté salé. Alors, c'est ce que j'ai mes impératifs en. Pour, voilà, dans mes placards. Et de l'autre côté, c'est côté sucré et puis les boissons. Donc ça, c'est une liste que j'ai faite. Je peux vous envoyer le document vierge, c'est-à-dire sans les aliments notés dans les colonnes si vous le souhaitez. N'hésitez pas, pareil, à me réclamer par email si vous voulez un peu plus d'organisation. Ça mange pas de pain et surtout, ça fait faire des économies. Donc, c'est pour ça que je le fais. Et puis enfin, je vous imprimais alors sur ce truc-là, c'est budget de course mensuel. Donc c'est moi je m'en sers sur mon PC en fait. Je l'imprime pas. Là je l'ai mis pour vous le montrer plus facilement. Qu'est-ce que je peux dire de ça? Ben, tout simplement, j'ai 4 semaines. Alors sur Excel, j'ai les formules automatiques. Donc ça me compte, j'ai juste à rentrer la dépense que j'ai faite, si c'est des courses ou autre chose, et puis le montant à côté. La somme se calcule automatiquement et j'ai le report en bas qui me fait le total sur chaque semaine.
Donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mis 5 semaines de manière à avoir toujours de la place. S'il me manque un petit peu, c'est pas grave, hein, je me rajoute sur la 5e semaine. Donc voilà, c'est pratique. Donc je vous l'avais envoyé, il y en a beaucoup qui me l'ont demandé par email, je vous l'ai envoyé, mais c'est vrai que si on ne sait pas maîtriser Excel, ben forcément on n'arrive pas, ou si on n'a pas de PC tout simplement. J'y avais pas pensé franchement. Donc sur le coup, je vous l'ai envoyé, j'ai laissé les formules. Donc le document était vierge, mais sur les à chaque fois qu'il y a une formule, il y a le petit euro qui se met à côté. Et voilà, donc du coup, j'ai fait un fichier vierge. Donc n'hésitez pas à me le réclamer si vous en avez besoin. Et puis de l'autre côté, j'ai mis contrôler son budget mensuellement. Donc voilà, ça c'est des petites fiches toutes simples. Et c'est les dépenses en général. Je mets les dépenses fixes. Et puis voilà, les loisirs aussi ou l'épargne. Donc tout ce que je mets sur cette feuille, c'est ce qui reste sur mon compte. Où j'ai tous mes prélèvements mensuels en fait. C'est pas sur mon compte Boursorama Banque, c'est uniquement sur mon compte où il y a tous les prélèvements, et je trouve que c'est vachement bien de fonctionner comme ça. Donc voilà pour mes petites fiches, je vous en reparlerai plus en détail dans ma, comment dire, dans ma vidéo où je vais vous parler de mon compte en ligne. Donc voilà. Pour le moment, je reste sur les menus de la semaine et sur mon budget. Au niveau de mes dépenses et de mon budget mensuel, donc là je suis en mode dans un coin de la chambre, j'ai pas mon PC allumé, mais je suis sur, donc on est quand même sur 3 semaines de passé, 3 semaines, et il nous reste encore, on est le 22 aujourd'hui, donc il nous reste encore 9 jours pour la fin du mois. Je trouve que ce mois-ci, je suis plutôt pas trop mal. On va dire que je suis sur un budget de 430, je crois, euros pour 3 personnes, en sachant qu'on mange midi et soir. Et puis, entre deux, il y a eu des dépenses annexes, c'est-à-dire des petits McDo sur la route quand on est descendu chez Joël. Voilà, des petites choses comme ça, des petits achats à côté. Donc, que j'ai englobé dans mes dépenses mensuelles. Donc, je trouve que, bon, en étant. Voilà, je trouve que mon budget, là, ce mois-ci, je m'attendais à dépenser beaucoup plus. Donc, pour le moment, je suis vraiment contente. Donc, voilà, je ne vais pas parler plus que ça. Je vais juste ben, vous laisser pour voir si ma vidéo, elle me convient ou pas, parce que je l'ai filmée dimanche. Et franchement, ça ne me plaisait pas. Le rendu n'était pas top, toujours à cause des Velux. D'ailleurs, la lumière, il y avait un reflet. Voilà, ça ne me plaisait pas. Là, je ne sais pas si ça ne va pas être trop sombre ou quoi. Mais bon, franchement, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, je vais la laisser comme ça et vous la balancer comme ça, à l'arrache, avec la tête du matin. Bon, je sors de la douche quand même et je me suis lavée. Mais franchement, là, il est, au moment où je vous parle, il est 8h30. Donc, pour vous dire que la vidéo, je la tourne tôt. Je suis déjà douchée. Je vais aller faire ma promenade. Ensuite, je vais commencer à, ben, à faire des papiers, à trier tous nos papiers. Donc, ça, c'est vraiment. Voilà. Et puis, voilà, quoi. Je vais faire comme monsieur et madame tout le monde. J'ai des choses à faire. Je vais vous mettre des. Donc, je vous ai fait là 2 semaines de menu. Déjà, dites-moi si ça vous botte que je continue à faire comme ça. C'est-à-dire, je vais vous mettre 2 semaines d'affilée. Et derrière ces 2 semaines de menu, je vous ferai des images. Je vous mettrai des images qui vont tout simplement défiler, puisque maintenant je sais le faire. Et ça donnera. C'est en fait, c'est tout simplement les photos que j'ai prises de mon assiette, parce que j'arrive pas à faire une journée dans mon assiette et tout ça. J'ai beaucoup de mal à faire ce type de vidéo. Je sais pas pourquoi. Ça viendra, hein. Mais j'ai beaucoup de mal à les tourner. Donc du coup, je vais vous mettre derrière mon petit blabla de 2 minutes 30. Je vais vous mettre ben, mes assiettes que j'ai prises en photo. Et comme ça, tout simplement, ça peut vous donner
des idées aussi supplémentaires, voilà. Et puis parfois aussi, on suit pas forcément les menus, mais on fait aussi d'autres choses avec ce qu'on a, et c'est pas plus mal parce que du coup, on fait des fois plus de menus que ce qu'il était prévu au départ, et ça, je trouve quand même que c'est pas mal. Bon, sur ce, j'arrête de bavarder et je vous laisse avec les images de mes semaines qui se sont passées. Je crois qu'il y en a même des assiettes qui ont été photographiées chez Joël. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!